Tension et tragédie à Yaoundé, mouvement d'humeur des mototaxis et incendie dévastateur. Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. Tension et tragédie à Yaoundé, mouvement d'humeur des mototaxis et incendie dévastateur. Partie 1, mouvement d'humeur des mototaxis. La capitale politique du Cameroun, Yaoundé, est secouée par des tensions sur l'axe menant au palais présidentiel. Ces tensions font suite à un incident tragique survenu le mercredi 17 avril 2024, où un conducteur de moto et son passager ont été mortellement percutés par un camion. Selon les informations recueillies, cet accident aurait été provoqué par l'interception violente d'un mototaximan par un agent municipal connu sous le nom d'Awara. En signe de protestation et de solidarité envers les victimes, les collègues mototaximens ont décidé de barrer la route menant à l'axe présidentiel, exprimant ainsi leur ras-le-bol face à la violence routière et réclamant justice pour les défunts. Les forces de l'ordre sont actuellement sur place pour tenter de calmer la situation tendue. Partie 2, incendie dévastateur au carrefour NSAM. Une autre tragédie a frappé la ville de Yaoundé avec l'incendie dévastateur qui s'est déclaré au carrefour NSAM le mardi 16 avril 2024. Aux alentours de 15h, les flammes ont pris naissance dans un bar avant de se propager rapidement aux boutiques avoisinantes. Malgré les efforts héroïques des sapeurs-pompiers, les flammes ont dévoré plusieurs boutiques, laissant derrière elles un paysage de destruction et de désolation. Les propriétaires des boutiques, plongés dans le désarroi, ont exprimé leur douleur face à cette perte matérielle considérable. Toutefois, aucune perte humaine n'est à déplorer, bien que le sinistre ait provoqué une perturbation majeure de la circulation dans la région. Les autorités ont rapidement pris des mesures pour maîtriser la situation, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incendie. Partie 3, appel à la vigilance et à l'information. Ces événements tragiques rappellent l'importance de la vigilance et de la sécurité dans notre société. Il est crucial de rester informé des actualités locales pour comprendre les enjeux qui nous entourent. Pour suivre de près les développements et être au courant des événements les plus importants au Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Restez connectés, restez informés, et ensemble, travaillons à construire un avenir meilleur pour notre communauté. En conclusion, les récents événements à Yaoundé, notamment le mouvement d'humeur des mototaxis sur l'axe présidentiel et l'incendie dévastateur au carrefour SAM, mettent en lumière les défis et les tragédies auxquels notre communauté est confrontée. Ces incidents soulignent l'importance de la sécurité routière et de la prévention des incendies, ainsi que la nécessité pour les autorités de prendre des mesures efficaces pour garantir la sécurité et le bien-être de tous. Face à ces défis, il est crucial de rester informé et engagé. En s'abonnant à la chaîne Audience Cameroun, les citoyens peuvent rester au courant des actualités les plus importantes et contribuer à créer un changement positif dans notre société. Ensemble, en restant vigilants et solidaires, nous pouvons surmonter ces défis et travailler à construire un avenir plus sûr et plus prospère pour tous les habitants de Yaoundé et du Cameroun dans son ensemble. Merci. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.